Franco à eux. Je suis Chris Léo. Alors récemment c'était mon anniversaire et bon j'ai déballé un cadeau d'anniversaire face à la caméra comme j'avais pu le faire un certain nombre de fois antérieurement et bon en fait cadeau d'anniversaire comme j'ai pu le dire je le redis quand même si pour ceux qui ont déjà entendu ben, je le redis quand même voilà ben, en fait c'est jamais du moins ça a rarement été ou je sais plus en fait hein, des cadeaux vraiment pensés pour mon anniversaire. En fait il se trouve que je fais des commandes en ligne régulièrement pour me faire plaisir. Souvent je tarde à les ouvrir et puis des fois je finis pas parce que selon comment ça s'accumule chez moi et si je les ouvre dans le désordre et puis en plus il y a aussi des précommandes parfois certaines œuvres culturelles, beaucoup de vidéogrammes, parfois des CD aussi, ou certains livres. Ben, en fait, quand c'est des éditions limitées, le meilleur moyen pour ne pas les rater, c'est de les commander avant la sortie. On peut faire des précommandes. Et quand on s'est commandé même plusieurs mois avant la sortie, puis il est arrivé que les sorties soient retardées, parfois du coup ça devient parfois même près d'un an, hein, parfois avant la sortie, au bout du compte, quand elle est retardée. Et en plus, si en plus, quand tu reçois les colis, ils sont mélangés avec des colis plus anciens que tu n'as pas encore ouverts et que tu décides de déballer un de ces colis le jour de ton anniversaire, ben, tu sais réellement plus ce qu'il y a dedans. Alors voilà, donc, ben voilà, c'est une de ces précommandes là, en fait. Il n'y a pas très longtemps que j'ai dû la recevoir, celle-là. Bon, je ne vais pas lire la date, moi je ménage la surprise. Il y a peut-être quelques chances que j'ai quelques idées, mais voilà, mais au bout du compte, c'est pas mal. Ça fait un cadeau surprise que je me suis offert à moi-même. Mais du coup, mon mois d'hier ne pouvant être le mois d'aujourd'hui, puisqu'on a tous... tout le monde change et de même que tout le monde change, je n'ai de cesse de changer, de sorte qu'à chaque instant, je me trouve forcément différent du précédent. De sorte que le mois d'aujourd'hui ne saurait être le mois d'hier. Et le mois d'hier, ben, du coup, il m'a offert un cadeau surprise que le mois d'aujourd'hui ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et ben, du coup, ouais, je me suis fait un cadeau surprise à moi-même. Comme quoi, on n'est jamais mieux gâté que par soi-même. Alors donc, voilà, j'ai fait la vidéo d'anniversaire précédemment. Ben là, j'ai décidé de faire la vidéo cadeau bonus avec un paquet que j'ai dû recevoir il n'y a pas très très longtemps, il me semble. Voilà, je pourrais voir la date, mais voilà, pour... entretenir la surprise, je ne vais pas la lire. Bon, en tout cas, la précommande a été faite à la Fnac. Hein. Enfin, à mon avis, c'est un vidéogramme. Hein. Vidéogramme, c'est-à-dire que ben, souvent les gens ils disent DVD, mais on achète aussi des Blu-ray. Et quand même, ils achètent des DVD et des Blu-ray au cas par cas, selon aussi ce qui est disponible, parce que des fois, certains vidéogrammes ne sont pas disponibles en Blu-ray. Hein. C'est assez fou hein, d'ailleurs. Des fois, je me demande qu'est-ce qu'ils ont, surtout en France. Hein. Parfois, tu vois aux États-Unis, c'est disponible en Blu-ray. Et si tu veux la VF, des fois, il y est, mais des fois, il n'y est pas. Et du coup, si tu veux l'édition en VF, tu es obligé d'acheter un DVD en France parce que les éditeurs français s'obstinent assez régulièrement à ne sortir leurs vidéogrammes qu'en DVD. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à ce point à être rétrograde. Mais s'ils voudraient, tant qu'à faire... pousser le concept de l'esprit rétrograde au maximum, il ferait bien de sortir des VHS. Voilà, bon, en tout cas, ouais, je dis vidéogramme pour pas toujours spécifier si je commande des DVD ou des Blu-ray, et aussi des Blu-ray, des UHD 4K, hein, c'est ce que j'aime le plus acheter maintenant. Et comme il y avait aussi avant les VHS, et pour pas faire toute cette liste systématiquement, ben, je préfère dire vidéogramme, ce qui est le terme générique. Voilà, donc, à mon avis, c'est un vidéogramme. C'est ce que je précommande le plus. C'est vrai que ça fait gros hein, pour un vidéogramme. Oui, parce que j'ai tendance à précommander quand c'est les éditions collector. Elles disparaissent très vite. Souvent, si tu vois qu'elles doivent sortir et que tu vas à la Fnac le jour de la sortie, ben, il n'y en a déjà plus. Et du coup, en précommandant, au moins, tu as beaucoup de chances de ne pas rater.
Ben, si tu tardes un peu à précommander, des fois c'est même plus disponible à la précommande. Ça revient disponible sur le site le jour de la sortie, mais tu n'as même pas le temps de commander. C'est ouais. Ah non, mais c'est, non, ça revient disponible sur le site le jour de la sortie, il faut aller à la boutique. Et quand il va, il n'y en a déjà plus. Donc le mieux, c'est la précommande. Enfin, le plus souvent. Eh ben voilà, c'est bien. Ouais, je m'attendais à ça. Ouais. Voilà. Voilà, donc c'est les animaux fantastiques, le dernier volet. D'ailleurs, au passage, j'ai toujours pas vu le premier volet et le second volet, mais je les ai, hein. Et voilà, ben, c'est l'édition collector, c'est pour ça que c'est gros comme ça, hein. Voilà. Voilà. Voilà, bon, je vais pas déballer davantage. Voilà. Ouais, édition collector. Alors, mais quand même, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a la baguette de Dumbledore dedans, il y a trois affiches collector. Je ne me rappelle même plus ce qu'il y avait dedans. Peut-être que je ne l'ai même pas lu, je crois. Ouais, c'est même pas dit que c'était écrit sur le site. Bon, donc on a le film en 4K Ultra HD, on a le film en Blu-ray. Ouais, bon, en tout cas, ça fait un beau coffret. Voilà, c'est l'édition spéciale Fnac. Hein, voilà. Ouais, il me semble que je voulais ajouter quelque chose, c'est pour ça que j'hésite, mais je me rappelle plus. Ah non, mais quand même, attends. On finisse en beauté. Voilà, bon, j'en fais pas plus pour aujourd'hui. Voilà, bon. Ah oui, pourquoi là, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai précommandé aussi The Batman dans un coffret un peu similaire, il me semble. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais une hésitation. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des chances parce que j'ai pas regardé le suivi de ce qui était déjà arrivé. Je me rappelais plus des dates de sortie. Je crois que The Batman a peut-être été retardé en fait, qu'il devait sortir en même temps. Mais The Batman est sorti, mais peut-être pas l'édition collector, c'est ce qui me semble. Alors du coup, à moins que c'est un colis qui dort chez moi. Et du coup, je ne savais pas si c'était. J'avais un doute. À mon avis, il y avait de fortes chances que ça soit ou l'un ou l'autre. Mais voilà, c'est là. Voilà. Donc les animaux fantastiques, je crois que c'est le troisième volet. Oui, c'est ça. Ouais. Comme j'ai pas vu le premier et le deuxième, du coup, j'étais pas trop sûr. Voilà, mais j'ai vu Harry Potter. Hein. Et ouais, j'ai pas vu le septième. Hein. Le septième, ouais. Le septième et le huitième, puisque c'est un seul adapté du septième roman. Voilà, mais je vais m'y remettre. Hein. Mais je sais que je regarde beaucoup d'autres choses et je lis aussi des choses, beaucoup de choses. Et puis le temps passe vite, et puis je fais mes créations. Et entre toutes mes activités, ben, le temps passe vite. Voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ben voilà, j'hésitais entre si c'était The Batman ou The Batman ou les Animaux Fantastiques 3, donc les secrets de Dumbledore. Voilà, bon, en tout cas, ouais, j'ai hâte de me mettre à jour et de regarder tout ça. En tout cas, voilà, je suis super content de mon cadeau d'anniversaire. Quoi, eux? À bientôt!